C'est quoi le match de stream? Hein? Nice! Contre Dragon! Ok! Pourquoi que les noms sont si compliqués? Saint-Jean Pacifiste qui est un match de... Saint-Jean Pacifiste, j'ai hâte de commenter ce match-là. Beaucoup de nouveaux joueurs en région. C'est un match de ronde 2. Pourquoi pas? Donc, on est prêt pour le prochain match. Et Saint-Genève, on va voir si on va sortir son Pyromithra, son Aegis, ou si on va rester classique avec. En fait, classique, désolé. Saint-Genève qui a pratiqué un petit peu son Rob contre moi, off-stream et en friendly. Fait qu'on va voir s'il peut sortir son Rob. Pacifiste, qui est un joueur de Villager, si je me rappelle bien. Donc, on va voir ce qui va se passer. En fait, ce soir, un plus petit tournoi, on est de retour de Gamma et Lavos, ce qui veut dire que joueur brûlé, fatigué. C'est mon moment de shine. Hein. Donc, ça mène à la tempête Winterside. On va voir qui va passer en ce moment. De Misha, de MyBalls, Anna, Salum et BJ Dragoon. Donc, on va être prêt pour le premier match. On va avec Isabelle contre Rob. On sort Isabelle au lieu de Villager. Je sais pas s'il y a un match-up qui fait un jeu pour Isabelle. Peut-être mieux, tu sais, c'est son downbeat contre Rob. On va voir ce jeu-là. J'ai dit Day 1 Rob, pas vraiment Day 1 Rob, mais un Day Early, j'imagine, Rob. Donc, on trade, on prend Gyro. Est-ce qu'on va parker le Gyro? Non, on parker pas le Gyro. On fait un petit neutral. On est sur la plateforme. On voit Pacifist qui essaie de comme faire une espèce de mur contre Rob avec le Lloyd au sol. Et voilà, il remet un autre Lloyd au sol. On gosse un peu avec le Sing Shot. Puis quand j'y pense, probablement qu'on pocket pas le Gyro parce qu'on veut sûrement attendre le Mega Laser of Doom. Faut pocket le Mega Laser of Doom. Bon, on n'a pas pocket malheureusement. Pacifist qui revient en ce moment. On le sent un peu à Saint-Gela. Fait que Jeff, oh Jeff, follow-up du Lloyd avec un. J'attaque lequel? Le Lloyd qui saute. Le Gyro qui saute sur le top du Lloyd, désolé. Qui est au sol. Back throw, voilà. Point kill pris par Pacifist. Oh, side B! Faut être très important avec Rob avec le side B. Plusieurs combos qui mènent dans le side B, ce qui est un peu busted, mais c'est pas très grave. C'est ultimate. Tout le monde est un peu busted, brain dead dans ce jeu-là. Anyway. Back air qu'on pogne très près. Nair. Vous savez qu'il y a quand même un très bon Get Out of Meteor qui est son Nair. Tu rejoins avec son Nair, mais tu sais, je dis, c'est en situation dangereuse comme ça, tu le fais, puis tu peux t'en sortir. Lloyd dans les airs. Pacifist qui est très bon pour juste comme j'ai créé une espèce de mur avec son adversaire, puis on a le pocket de Gyro. Mais qui ressort, il va être beaucoup plus puissant. Et même, je me demande s'il peut utiliser son Gyro. J'ai l'impression que je vais avoir la réponse dans quelques minutes. Non, il ne peut pas réussir son Gyro, je pense. Et voilà, Side B encore, c'est encore un peu à voir par le Side B de Rob. On n'est pas habitué, il faut vraiment faire attention. Le problème avec le Side B de Rob, c'est que c'est pas un genre un all-in move, je veux dire. Rob peut facilement revenir. Il est un peu fatiguant quand tu l'affrontes. Oh my god, beau mix-up du recovery de Pacifist. On a l'avantage d'un sac complet, on sort le Lloyd. Il est un peu chercher un pourcentage, 130% pour Rob. Je me rappelle plus c'est quoi le poids de Rob. Mais j'imagine que le canne à pêche, up throw, va probablement prendre le stock. Et back air! Oh Lloyd! Il y a deux joueurs qui sont pas sur le stage. Oh, on lance la tête de mauvais côté, c'est pas très grave. Nair. Oh non, Lloyd qui se connecte pas jusqu'en haut! Oh, back air là-dessus, ça aurait été pas mal à la fin du match, selon moi. On pocket le Lloyd. Back throw, j'imagine. Ouais, back throw. Excellent back throw d'Isabelle. Mais pour dire que Rob devient à 181. Pacifist, très gros travail à faire par lui. Il s'est bury vers up air. Non. Body high. Oh, début de combo ici. Vers sling shot. Vers
Dash Attack, Cam pour ça contre 132, Down Throw, Slingshot, Slingshot, Slingshot. Est-ce qu'il y a encore enough time? Hein? Oh! On utilise le Command Grab. Nair, Get Off Me Tool. Beau rattrapage de Fastidus là-dessus. Back Air, mais c'est pas le bon spot de Back Air, malheureusement. Pour Saint-Gela, Down Throw, j'imagine, Up Smash. Up Air, non. Keep It Simple, 1-0 Saint-Gela, match très serré. C'est pas mal le match de Fastidus. C'est pas mal le match de Fastidus qui essaie de faire un mur défensif contre Saint-Gela. Et Saint-Gela, il fallait qu'il get in. C'est très rare qu'on va voir Rob dans une situation qui get in contre son adversaire. Ça, on va plus voir des Rob très pacifiques. Très pacifisme. Jeu de mots. Qui vont plus attendre que l'adversaire va get in contre lui. Mais dans cette situation-là, pas vraiment. PS2. Joker contre Villager contre Rob encore. On sort Villager ou Isabelle. Honnêtement, soyons très honnêtes, Villager est un meilleur personnage qu'Isabelle. Je dirais que ça va faire que Villager va avoir un peu moins de jeux de trap comparé à Isabelle. Et par exemple, il va avoir beaucoup plus d'outils en offensive, c'est-à-dire se couvrir avec son side B quand il est offstage. C'est un personnage qui a beaucoup moins de trap, mais qui est beaucoup plus fatigant. Board dodge pour éviter le combo avec le forward air, désolé. Toupi, Gyro, désolé. Nair, un autre bon Nair du côté de Villager. On essaie de pocket, on pocket l'inutile. Attention, j'imagine si Villager pocket le laser, ça va faire mal. Oh! Ah, on sort le live, pas pocket le laser. Le l'arbre, voyez-vous, là, on essaie vraiment de créer une défensive avec l'arbre. Par exemple, faut la faire, l'arbre. Le Jarro qui revient. 86 contre 93. Comme je dis, c'est assez. On a deux personnages qui essaient juste de faire le zone. Oh, la bowling ball! Up air. Mal DI. Mal DI. Comme je dis, up air est assez difficile à DI. Des fois, il y a des angles un peu bizarres. J'ai été voir la Earthbox ou la Hitbox de ce move-là, comment ça marche. Et j'imagine que ça doit marcher juste bizarre. Oh non! On ridait Lloyd, on aurait pu rider vers la mort. Hein. Oh voilà, je pense que la raison pour laquelle on est sorti Villager, c'est que la bowling ball va être quand même un bon outil intéressant contre Rob, qui recover assez verticalement. Fait qu'avec la bowling ball, ben, on peut vraiment créer un outil de... Moi, je ferais ça un outil pour l'empêcher de revenir sur le stage. Par exemple, sûrement que Saint-Gilles va venir. Prochain coup, vous ne serez pas surpris, il va faire son side B pour peut-être juste renvoyer la bowling ball. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'il soit d'un angle spécifique. Et au début de Nair! Non, on Lloyd pour mix up ça. For the throw. Désolé, on parle fort en arrière, je suis comme un peu déconcentré. Qu'est-ce qu'on cherche? Nair encore. Les deux cherchent. Ah, oh, voilà, on essaie de mettre l'arbre en jeu. Et l'arbre est en jeu. Et oh! Timber. Oh, slingshot. On rappelle comment que le slingshot fonctionne. Plus que tu es proche de ton adversaire, plus que slingshot, c'est du knockback. Oh, ça... oh, les trois! Bon, quel tech magnifique! Oh, back throw, j'imagine. Je sais pas si... non, down throw. Oh, on mix up le mashing. Et voilà. Là, on a Toupie. On la voit dans les airs. La Toupie est très bien garde-descendre, mais la voilà! Oh! On aurait pu avoir quelque chose d'assez incroyable là-dessus. Et voilà, up air. 161 par exemple pour Villager. Rendu là, comme je dis, c'est. Oh, on surveille ça. Le but de Villager, c'est de prendre le plus de pourcentage possible avant de mourir. Oh, get up attack. La première fois qu'il fait du match, je me rappelle bien. Fait que vous mix up là-dessus. Oh, yeah.
le mur de projectiles. Rob, qui est tant reconnu pour créer, pour faire chier l'adversaire avec beaucoup de projectiles, il est en train de se faire avoir par son propre jeu. À pair encore. Bon, beau ça, ce slingshot, puis il y a comme Get Back, Ford Air 182. Et voilà, non, là, je pense que c'est là, game over. 76%, c'est quand même utile pour Pacifist, mais il reste que Rob peut remonter ça. D'accord, ça va beaucoup dépendre à est-ce que Saint-Gilles peut passer le mur. Ben, vous, il met son arme, puis là, ben, il y aura des loy, puis slingshot. C'est très fatigant à affronter. Back throw! Toupé! Non! Oh, c'était disgusting! C'est dégueulasse! Il a vu son opportunité, puis il était avec son opportunité au moment. Il fallait qu'il trouve l'opportunité, puis il l'a eu. Victoire Saint-Gela, il a créé assez crab. Hein. Ouais. 2-0 Saint-Gela.